Rach, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu ici? Je suis venu te chercher. Je suis venu chercher mon meilleur amour. Ma Ciara. Ton amour. Ta Ciara. Tu as oublié que tu l'as déjà enterrée? Ciara, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. D'accord. J'ai rencontré le docteur Assare. Il m'a tout raconté. Il m'a tout dit. Et je te promets que je ferai tout mon possible pour que rien de pareil n'arrive encore. Ah, vraiment? T'aimer a été la plus grande erreur de ma vie. Ton amour m'a pris ma face, mon identité et débit. Et tu te tiens encore là pour me reparler d'amour. Rach, s'il te plaît, il faut t'en aller. Ciara, permets-moi de t'expliquer. Je peux t'expliquer ce qui s'est passé. Ah, comme ça tu peux expliquer. Vas-y, explique à Debbie, je verrai comment elle va t'entendre. Dis-lui comment tu as épousé quelqu'un qui a tenté 3 fois de me tuer. Comment tu as épousé quelqu'un qui l'a tué. Vas-y, Rach, explique-lui. Explique. Je crois qu'elle te comprendra. Rach, explique-lui. Ciara, s'il te plaît. S'il te plaît. Éloigne-toi de moi, Rach. Reste loin de moi. Va satisfaire l'avidité de ta mère et de ta cupide sœur. Reste loin de ma vue. Ciara. Ciara. Ah, docteur Raymond. Merci d'être venu. Soyez le bienvenu. Merci d'avoir honoré mon invitation. Je suis content que tu sois venu au secours de mon enfant. Je vous considère, monsieur le président. Je ferai de mon mieux. Quand allez-vous commencer? J'ai déjà commencé, monsieur le président. De l'aéroport, je suis passé par l'hôpital. J'ai aussi eu l'occasion d'étudier le rapport médical de votre fille. Et j'ai également parlé au docteur Samuel. Mais je pense que j'ai une idée claire de sa situation actuelle. À votre avis, il faudra combien de temps pour qu'elle soit rétablie? Très bientôt. Très bientôt. C'est une amnésie partielle et je pense qu'elle va se retrouver très bientôt. Sauf que le temps exact est indéfini. Je compte sur vous. C'est tout ce que j'ai. C'est mon seul enfant. Faites tout ce que vous pouvez. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux, Excellence. D'accord. J'espère que très bientôt, tout ira mieux, n'est-ce pas? Bonjour. Salut. Que voulez-vous? Est-ce ici la maison de la famille Johnson? Oui. Y a-t-il un problème? Nous avons un mandat d'arrêt pour Raj Johnson. Il doit nous suivre au poste de police. Vous êtes sûr que c'est Raj? Oh Dieu! S'il vous plaît, je reviens. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Maman, ces messieurs-là disent qu'ils sont venus chercher Raj. Bonsoir, messieurs. Dites, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes venus chercher Raj Johnson pour le commissariat central. Pour le questionner. Vous l'amenez pour le questionner au sujet de quoi? Désolé, madame, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Quoi? Mais maman, il n'a qu'à nous le dire ici maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a un problème? Il y a un problème ici? Écoute, Raj, nous-mêmes, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Vous devez être Monsieur Rat Johnson. Oui, je suis Raj. Vous êtes en état d'arrestation pour association à un groupe de malfaiteurs. Association à un groupe? Vous vous êtes trompé de personne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Arrête-le. Mais non, monsieur. Non, c'est bon, c'est bon. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est bon. Ne me forcez pas. Je vais vous suivre. Nous allons partir ensemble, donc ne me forcez pas. Maman,
Appelle notre avocat et dis-lui ce qui se passe. Car j'ignore pourquoi ces gens-ci m'arrêtent. Ok. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler, maman, d'accord? Tu peux pas les laisser amener Raj comme ça? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Appelez juste l'avocat. Non, mais c'est pas possible. Jeune homme, j'espère que tu mesures la gravité de ce qui est arrivé à mon enfant. Est-ce que tu sais qui a fait ça? Votre Excellence, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Alors que tu étais présent? Il doit bien y avoir quelqu'un qui t'en veut ou qui veut te nuire. Tu dois être mêlé à quelque chose de louche dont tu ne veux pas me parler. Votre Excellence, croyez-moi, je l'ignore. Je ne sais vraiment pas. Mais il m'est arrivé de penser que ça pourrait être un de vos ennemis politiques. Tais-toi là! Qu'est-ce que tu peux bien savoir au sujet d'ennemis politiques? Toi, tu te permets d'emmener ma fille à la mairie sans mon consentement. On le tire tragiquement déçu. Et tu as le courage de venir devant moi me parler d'ennemis politiques. Votre Excellence, je suis vraiment désolé parce qu'on n'avait pas prévu... Comment l'aurais-tu prévu? Dis-moi comment! Si je comprends bien, tu prends ma fille en mariage juste pour bouffer mon argent. C'est bien ça? Pour tout le respect que j'ai pour vous, Votre Excellence, cela ne m'est jamais passé à l'esprit. Je n'ai jamais pensé à cela. Beyoncé et moi filons le véritable amour. Amour? Un pauvre garçon comme toi essaie d'utiliser l'amour et la romance pour couvrir son plan démoniaque. Votre Excellence, pour tout ce qui s'est passé, croyez-moi, je suis sincèrement désolé. Désolé? Il te faut prier que les enquêtes ne mènent pas jusqu'à toi. Mais s'il arrive que je découvre que toi, tu es mêlé à cette histoire, je te le pardonnerai pas. Qu'il s'en aille. Merci beaucoup, Votre Excellence. Et surtout, ne quittez pas la ville sans me prévenir, parce qu'à tout moment, je pourrais vous convoquer. À présent, sortez. Maman! Est-ce que tu sais qu'il y a plein de journalistes là dehors? Écoute, je ne sais même plus quoi faire d'eux, hein. Mais c'est terrible, c'est comme ça tous les jours. Tu es sérieuse? Tout ça à cause de Raj? Monsieur Raj Johnson, pensez-vous que ce coup a été monté par un de vos Est-ce proches? Est-ce vrai que vous êtes soupçonné dans cette affaire? Monsieur Raj, comment ça s'est passé? Rien de grave, maman. On a tiré sur Beyoncé. Il se pose des questions, c'est normal. Le papa a besoin de savoir. Ce n'est rien de grave, il faut juste qu'on attende qu'ils finissent les investigations. Et tout ira. Je trouve cela très inquiétant, Raj. Raj, j'espère que tout ceci ne nous apportera pas des ennuis. Je n'aime pas ça, Raj. Cela m'embarrasse. Franchement, je me sens pas bien dans tout cela. Maman, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui devrait vous inquiéter. Ils sont en train de mener leurs enquêtes. Et après, tout reviendra dans la normale. Je l'espère bien.
Aider quelqu'un à se rétablir, c'est l'aider d'abord à se souvenir de ce qui s'est passé. Je suis sûr que vous, les filles, vous êtes en contact avec elle tous les jours. J'ai aussi appris que vous êtes ses meilleurs et ses plus proches amis. Est-ce vrai? Nous sommes tout le temps ensemble. Et aussi, nous faisons pratiquement tout ensemble, docteur. Sa compréhension dépendra de ce que vous avez l'habitude de faire ensemble. Et ainsi que des endroits que vous avez l'habitude de visiter avec elle. Pour sa prompte guérison. Nous vous comprenons, docteur. Nous ferons de notre mieux pour que tout aille bien. J'apprécierai cela vraiment. Je vous remercie. De rien, docteur. Après vous. Chaque jour, tu te caches de plus en plus. Tu ne sors pas. Tu ne parles presque à personne. Il faut même que je te force à manger quelque chose. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Angèle, pour quelle raison je suis en vie? J'ai perdu le courage et l'envie de vivre. Qui est-ce que j'ai encore sur la terre, si ce n'est pas toi? Je ne suis pas sûre que tu comprendras, je crois pas. Le monde est vraiment mauvais et injuste. Bien sûr que je te comprends, Ciara. Je comprends que Beyoncé t'a rendu la vie dure. D'accord, mais la réalité a un autre visage. Elle est la fille du président. Et se venger d'elle sera vraiment trop difficile pour toi. Oui. Non, Angèle. Beyoncé a semé dans mon cœur la haine. Une très grande haine. Angèle, pendant 18 mois. De ma vie, Angèle, j'ai vraiment souffert. J'ai toujours vécu avec la peur. C'est pour cette raison que je dois payer des gangsters. Exactement, Ciara. Ciara, c'est là même le problème. J'ai peur que le feu de la vengeance ne te brûle. Et te brûle complètement avant que tu n'aies pu t'approcher de Beyoncé. Elle a fait de moi un prédateur. Et je pense qu'il est temps pour elle de devenir mon gibier. Je vais l'affronter avant de perdre. C'est pour accomplir la justice. La justice? Oui. La justice. Chaque portion de mon sang et de mon âme voudrait l'accomplir. Pour venger tout ce que j'ai perdu. Tout ce que j'avais qu'elle a pris. Angèle, je vais l'expédier au même endroit où elle a expédié ma sœur. Sinon, je mourrai en essayant. Oui, je mourrai en essayant. Nous sommes chez vous. Vous habitez ici. Mmh.
Vous voulez dire... Vous voulez dire que c'est ici que j'habite? Oui, en effet. C'est vraiment beau. Docteur, je ne sais vraiment pas qui je suis. Docteur, s'il vous plaît, dites-moi qui je suis. Oh mon Dieu! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de faire semblant ou quoi? Vois comment elle regarde. Elle a l'air perdue. Oui, Beyoncé. Franchement, je suis confuse. S'il vous plaît, dites-moi qui je suis. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des voix dans ma tête? Pourquoi à travers les images qui me fréquentent, je n'arrive pas à me retrouver? Quel genre d'image? Essayez de les combiner ensemble. Je n'arrive pas. Essayez. Les images sont floues. Elles bougent comme des vagues. Je vois plusieurs images. Et elles ne cessent de remuer au fond de mon âme. Beyoncé, si vous continuez ainsi, je suis sûr que vous serez à mesure de répondre à la question de savoir qui vous êtes. Alors, avec encore un peu plus d'efforts, vous y parviendrez. Doucement. Qu'est-ce que c'est? Cherchez-vous quelqu'un, monsieur? Putain de merde. Je n'ai pas affaire à vous. Désolé. Vous devez me répondre. Je voudrais voir Beyoncé. Vous ne pouvez pas la voir sans autorisation. Je n'ai besoin d'aucune autorisation pour voir Beyoncé. Vous m'entendez? Je n'ai besoin d'aucune putain d'autorisation avant de voir ma femme. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? Cher monsieur, ne troublez pas la paix de cette maison. Je vous prie d'aller chercher une autorisation présidentielle. Écoutez, si je suis là, c'est pour Beyoncé. Et avec ou sans votre autorisation, je dois la voir. Est-ce clair? Ne faites pas marcher sur vous. Hey, jeune homme, doucement, allez-y, doucement, doucement. Faites doucement là, jeune homme. Qui êtes-vous? Ne soyez pas violent, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Mais lui, c'est qui? C'est Rat Johnson. Il dit qu'il veut voir madame. Tu l'entends? Je suis ici pour voir ma femme. Elle n'est pas à mesure de vous parler maintenant. Qui vous dit ça? D'accord. Et puis qui êtes-vous? C'est moi qui le dis. Je suis le psychiatre qui la suit pour le moment. Et ça vous donne l'autorisation de m'empêcher de parler à ma femme? Professionnellement, oui. Moi, je vous dis non. Ah, je suis désolé. Je n'ai reçu aucune instruction de vous laisser la voir. Je suis désolé. C'est incroyable, ça. Qui vous donne le droit de me parler comme ça? Garde! S'il vous plaît, pouvez-vous mettre ce monsieur hors d'ici? Mais mettez-vous hors d'ici, monsieur! Allez-y, sortez! Laissez-moi tranquille! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas, j'ai dit! Laissez-moi prendre mes clés! Vous, vous allez payer pour ça! Mettez-le dehors! Baymet, c'est qui et qu'est-ce qu'il voulait?
Ne vous en faites pas pour ça. C'est rien d'important. Comment la nouvelle a-t-elle pu se propager? Je ne sais pas, Excellence. Je pense qu'ils essaient juste de vous saboter. Ce qu'ils essaient de faire, c'est d'utiliser un pauvre garçon pour m'humilier en public, parce qu'ils veulent me discréditer. Monsieur le Président, face à cela, nous devons réagir rapidement. Nous ne pouvons pas les laisser continuer impunément leur sale besogne. Agri, nous nous approchons des élections, n'est-ce pas? Et bien que je sois le chef suprême des armées, il y a des citoyens qui se permettent de détruire tout ce que j'ai pu construire. Et malgré ça, je ne peux pas les combattre avec les armes parce que je tiens à briguer mon prochain mandat dans la transparence et dans la paix. Votre Excellence, j'ai le devoir de protéger mon président par tous les moyens dont je dispose. Et je ne pense pas croiser les bras. Agri, cela risque de détruire notre avenir politique. Nous devons l'éliminer. Non. Pourquoi? Ce garçon-là est sorti avec une jeune fille qu'on appelle Ciara Mensa. Et je pense que celle-ci doit en vouloir la fille du président. Et en pensant à ça, éliminer ce garçon n'arrangera pas les choses. Excuse-moi. Oui, Johnson. Retrouve-moi demain à mon bureau à 8h30 exactement. Bien. C'est bon. Sierra. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir. Je vous dois ma vie. Sierra. Depuis le jour où tu as remis tes pieds dans ce pays, tu as mis nos deux vies en danger. Cela ne signifie pas que je suis déçu de te revoir. Comme je vous l'ai dit, je suis désolée. Croyez-moi, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir vous remercier. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça va, ne pleure plus. Ne m'en voulez pas de parler. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Thank you.
Je suis désolé, Son Excellence. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je comprends. Ça ne doit pas être facile. Elle répond bien au traitement, Excellence. Mais nous devons user un peu de patience. Mais elle le fera toute seule. Vous savez, c'est très difficile. Vous avez votre fille, votre seul enfant, qui n'arrive pas à vous reconnaître. Lorsqu'elle vous voit, elle s'enfuit. Ça peut briser même le cœur d'un lion. Je suis en train de vouloir la soumettre à un nouveau traitement qui consiste à brusquer sa mémoire. Brusquer sa mémoire? Je ne voudrais pas vous perturber avec des détails parce que c'est une méthode qui nous octroie 50% de chances de réussite. Dans le cas contraire, elle se retrouvera dans un monde d'incertitude. Docteur, faites tout pour que mon enfant guérisse. Je vous comprends. Qu'elle retrouve sa mémoire, c'est tout. Faites l'impossible. S'il vous plaît, pourrais-je? Venez. Venez, s'il vous plaît. Fiancé, puis-je vous parler? Pendant que vous dansiez en boîte, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? J'ai vu dans mon esprit quelqu'un qui dansait. Et subitement, l'énergie m'a emportée comme une femme possédée. Et plus je continuais à danser, je revoyais la même personne. Qui était cette personne que vous avez vue dans votre esprit? Et à qui ressemblait-elle? C'était une femme. Très bien habillée. Savait bien bouger son corps.
Je n'arrivais pas à identifier son visage car l'image n'était pas claire. Ça, c'est bien. Et vous faites vraiment beaucoup d'efforts. Vous pouvez maintenant vous reposer. Essayez d'aller dans votre chambre. Ce sera mieux pour vous. Allons-y. Qui êtes-vous? Calmez-vous, ne dites rien, calmez-vous. Où suis-je là? Vous allez comprendre ça plus tard, hein? Calmez-vous pour le moment. Lily! Beyoncé! Lily, qu'est-ce qui ne va pas ici? S'il te plaît, assieds-toi d'abord. Où est Dulce? Elle a voyagé, tu ne te rappelles plus? Mais que faisons-nous ici? Je t'expliquerai plus tard. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde gratitude et mon profond respect pour ce que vous avez fait pour ma famille. Je suis honoré, votre honneur. Vous avez fait de moi le plus heureux des hommes et tous vos désirs seront accomplis. Merci, monsieur. Mais j'aimerais que vous restiez encore un peu pour veiller sur elle. Beyoncé se porte bien. Elle va vraiment très bien. Si vous insistez, je pense que je passerai encore un peu plus de temps avec elle. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, je dois parler à ma fille. Une fois encore, merci. À la prochaine. Beyoncé, je suis sûr que tu te souviens de tout ce que tu as fait ces derniers jours. Tu devrais savoir à quelle famille tu appartiens. Oui, papa, je suis désolée. Pardonne-moi. Oh, il y a trop longtemps que tu as déjà été pardonnée. Mais concernant ce jeune homme, que tu as épousé sans mon consentement, tu devrais faire quelque chose, ma fille. Papa, il faut comprendre, Raj est mon mari. Tout ce que j'ai fait ces derniers temps pour lui, c'est juste parce que je l'aime beaucoup. Papa, je lui ai donné tout cela parce qu'il le méritait. Mais comme tu vois, la presse est en train d'utiliser ta générosité contre moi. Tu dois faire quelque chose pour ça, mon enfant. Il ne peut pas me décevoir, papa. Le scandale de ton prétendu mariage ne s'est pas encore calmé.
Je m'en fous de savoir comment tu vas le résoudre. Mais c'est à toi de le régler. Et au plus tôt. When I think of loving you, then I think of no one else but you. In my heart it's you, in my dreams it's you. Everywhere I see nothing but you. Don't you think I see you too? All the birds in the sky sing of you. In the sky it's you, when you smile it's the moon. Puisque Beyoncé se porte bien maintenant, je crois qu'il serait important que tu fasses un pas vers son papa. Le président ne peut pas être un ennemi parce que nous n'aurons jamais les moyens pour l'affronter. S'il te plaît. Parce que le principal objet de conflit entre les deux candidats aux prochaines élections avait pris une autre tournure hier au débat télévisé, lorsque le docteur Laurent Kaïtou, le président du principal parti d'opposition, s'est laissé emporter en déclarant que le président Bill Kwame a montré son incapacité à gérer ce pays. Écoutons ses arguments dans cette interview. Je ne peux compter le nombre de fois que je l'ai dit. Si un homme ne peut gouverner sa propre maison correctement, comment espérez-vous qu'il puisse diriger toute une nation? Si sa fille peut se marier sans son avis, c'est qu'il a perdu le contrôle. Il ne s'occupe qu'à combattre le pauvre garçon. Le président Bill est en train de détruire ce pays. Et si jamais il était réélu, notre cher pays va s'écrouler. Nous assistons à des opinions controversées et d'après les derniers sondages, la cote de popularité de notre président ne cesse d'aller en baisse à cause du scandale dont est victime sa famille. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission. Docteur Laurent Kaïtou, nous vous remercions d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Votre Excellence, si vous voulez voir votre autorité bafouée sans rien dire, alors, aux prochaines élections présidentielles, n'espérons pas nous voir réélus. Parce que l'opposition est en train de tisser des pièges contre nous. Et nous sommes dans l'obligation de réagir. Écoutez, non, je ne peux pas faire une mauvaise politique. Je suis le président Bill et non le docteur Kaïtou. Je ne peux pas m'impliquer personnellement dans ça. Hein? Ça ne me ressemble pas. Son Excellence, vous devez réasseoir votre position. Parce qu'en observant le mouvement actuel, les événements politiques sont en train de prendre une autre allure. Et nous devons, à mon avis, prendre des mesures qu'il faut pour nous imposer en tant que parti au pouvoir. Nous ne devons pas laisser l'opinion publique nous discréditer. Cela ne fait pas bien que la presse parle mal de nous. Monsieur le Président, ceci est notre dernière chance. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour sauver votre pouvoir. Alors faites ce qui s'impose. Salut, bébé. Salut, Raj. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de boire avec le docteur Raymond. D'accord, je vois. Mais j'étais venu pour qu'on sorte un peu. Je suis désolée, Raj. Je ne pense pas pouvoir te suivre. Pourquoi pas? Tu sais, ça fait longtemps que toi et moi nous avons discuté ensemble et je pense qu'il serait bien qu'on essaye, tu sais, de passer une soirée ensemble, le temps de discuter. Écoute Raj, je ne pense pas que cela puisse être possible. Parce que vois-tu, je suis en train de traverser une période assez difficile.
et je ne suis pas prête à m'afficher en public. Mais tu peux t'asseoir seule, boire avec ton docteur ami et t'afficher en public avec lui. Hadj, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire est que tu n'as pas le temps de me parler, mais tu as le temps de rester boire avec lui. Ça suffit comme ça. J'en ai assez de vos stupides paroles, monsieur. Moi, stupide? Oui, stupide. Moi, stupide? Vous m'avez appelé stupide. Vous me connaissez quelque part, monsieur? Hadj, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On se connaissait avant quelque part. Hadj, arrête. Je te promets, toi. Si je n'étais pas un homme bien, je t'aurais versé ceci. Hadj, il faut que tu sortes d'ici avant que je ne demande à mes gardes du corps de te mettre dehors. Beyoncé, vous l'avez entendu. Tu me renvoies de chez toi à cause de cette taupe, ce chimpanzé. Hadj, pars. Tel que je te l'avais promis avant, je te le promets une dernière fois. Tu payeras ceci avec ta vie. Fichez-moi le camp. Beyoncé, quelle surprise! Tu ne devais pas être ici. Tu étais allé où? Je suis allé suivre un match avec des amis au stade. Voilà, c'est tout. Comme tu es là, permets-moi de te présenter Ciara. Ciara, voilà, c'est Beyoncé, la fille dont je t'ai toujours parlé, qui est très gentille avec nous. Vas-y, salut-la. Bonsoir. Salut. Ciara, que tu vois là, c'est mon petit cœur. Elle et moi projetons de nous marier. Excusez-nous, nous allons un peu dans ma chambre discuter. À tout à l'heure. S'il te plaît, excuse-moi, Hadj. Oui. Est-ce que je peux te voir un moment dehors? Tout de suite? Oui, tout de suite. Ça ne peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. Je reviens, maman. Attendre un peu dehors. Ouais. Écoute, Hadj, si tu veux savoir, je suis vraiment possessive et très jalouse. Comment tu peux me présenter une autre fille? Pour qui tu me prends, toi? Beyoncé, calme-toi. Tu n'as aucun droit de me parler sur ce ton. Depuis le début, je t'ai toujours expliqué que je ne sentais pas trop notre relation. Sincèrement, crois-moi, tu me déçois. Tu veux me dire que tout le temps que nous avons passé ensemble, c'était juste pour le sexe? Ce n'est pas cela. Donc tu voulais juste t'amuser? Beyoncé, je suis désolé, d'accord? Tout ceci est de ma faute, ça je reconnais.
Je n'aurais pas dû te mener en bateau jusque-là. Je suis sincèrement désolé. Arrêter avec ton jeu là. On dirait que tu refuses de grandir. Tu avais l'air concentré. À quoi tu pensais? Ben à rien. J'étais juste en train de regarder la télé. Oui, entrez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est bien vous monsieur Raj Johnson? Oui. Pourrais-je faire quelque chose pour vous? Vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Pour le meurtre du docteur Raymond Couffort. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Moi ici présent? Oui. Non, monsieur l'agent, vous vous trompez certainement. Ça ne pourrait être moi. Vous vous Arrêtez-le. Trompez. Non, monsieur, je pense que vous faites une erreur. Ça ne peut pas être lui. Mon frère ne peut pas faire ça. Raj. Monsieur l'agent, d'accord, je viens avec vous. J'irai avec vous. Pour le moment, ce n'est qu'un soupçon, n'est-ce pas? D'accord, je vous accompagne. Où allons-nous? Au commissariat central. D'accord. Appelle maman. Écoute, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Appelle maman, explique-lui le problème et dis-lui d'aller voir l'avocat. D'accord. Ne paniquez pas, d'accord? Tout va bien se passer. Envoyé. Qui vous a envoyé, vous? Je n'ai pas commis cela. Tu n'as pas commis cela? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Parlez. C'est pas moi qui l'a fait. Écoutez, je vais vous tuer si vous ne l'avouez pas. Vous avez tué le docteur Okofor et vous allez payer pour votre crime. Je n'ai pas tué docteur Okofor. Je ne l'ai pas tué. Ceci est un cauchemar. J'ai une fille qui a totalement perdu la mémoire. Et l'homme qui prétend être son mari est un meurtrier. Et au même moment, il y a des journalistes qui me mettent des bâtons dans les roues. Monsieur le Président, nous n'avons pas encore fini avec les enquêtes. Mais toutes les preuves sont contre cet homme. On le soupçonne même d'avoir tué une certaine Sierra. Durant cette campagne, les choses ne devraient pas être telles qu'elles sont. Excellence, toute la nation attend de voir comment vous allez réagir face à cette situation. Le peuple essaiera de voir si vous allez corrompre la justice, puisqu'il est question là du mari à votre fille. C'est à vous de décider. Oui, la décision m'appartient.
Je ne l'ai pas fait. Maman, crois-moi, je t'assure que ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Je te crois. Mon fils, on fera tout pour te sortir de ce pétrin. Crois-moi, tout ira bien. Ne t'en fais pas. Raj, vas-y, regarde-moi. Tu es sûr que tu ne l'as pas fait? Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Je te jure. Croyez-moi, je vous jure, je ne l'ai pas tué. Je vous dis que je ne l'ai pas tué. Mionci, tout ce dont on a besoin maintenant, c'est l'intervention de ton père pour que mon enfant sorte. Il souffre beaucoup là-bas en cellule. S'il te plaît, essaie de faire quelque chose pour lui. Tu es la seule qui peut utiliser ton pouvoir pour le sortir de là. S'il te plaît, c'est mon unique garçon. Maman, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Croyez-moi, je ne pourrai vraiment rien. C'est un problème qui dépasse mes compétences. Mon père trouve que ce problème compromet son image et voit mal que j'y interviens. Oh mon Dieu! Mionci! Maman, ce que je vous dis est vrai. Croyez-moi. La vie de mon enfant, c'est entre tes mains. S'il te plaît, essaie tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux pour que mon enfant puisse sortir. Il est tout ce que j'ai. Beyoncé Bill, quels sont vos rapports avec l'accusé? C'est mon mari. Silence. Et quels sont vos rapports avec le défunt? Il était mon psychologue. Il se trouve que le 12 mars, dans votre résidence, l'accusé a menacé d'assassiner le défunt. Vrai ou faux? On s'était vus et avions discuté. Mais rien de ce dont vous l'accusez ne ressortait. Votre honneur, j'ai ici des preuves à présenter à la cour. Nous retenons ceci comme preuve A. 1. J'ai des photos, des cassettes vidéo qui nous montrent votre mari menaçant à plusieurs reprises de tuer le défunt. Madame Johnson, avez-vous oublié que dans votre résidence, vos parents ont placé des caméras de surveillance? Silence! Silence dans la cour, s'il vous plaît. Votre honneur, mon client ici plaide non coupable. Votre honneur, ces preuves nécessitent beaucoup d'intérêt.
Parce que cette affaire a attiré beaucoup d'attention. Très bien. La cour se retire pour une heure pour délibérer. Silence. Que la cour s'élève. L'audience reprend dans une heure. Papa, s'il te plaît, il faut aider Raj. Aide-le. Tu as la possibilité de lui accorder la grâce présidentielle. Beyoncé, la nation entière attend pour voir quelle sera ma position dans cette affaire. Et je ne peux pas modifier le serment que j'ai fait de respecter les lois de la République à cause de ton prétendu mari. Papa, s'il te plaît, fais-le par amour pour moi. Beyoncé, je suis désolé. Si la justice le condamne à mort, alors la loi sera appliquée. Donc il va mourir. Brush. Tu es venu me voir. Tu as fait une erreur. C'est toi qui l'as tué. Tu sais très bien que tu peux me prendre. On est seul ici. Me croiras-tu si je te disais que je l'ai tué? Me croiras-tu? Moi, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas fait. Faire quelque chose. Papa, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu dois faire quelque chose. S'il te plaît, papa, fais quelque chose.
les deux parties de la cour peuvent venir faire leur dernière plaidoirie avant que je ne rende public mon dernier jugement. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, je plaide pour demander votre indulgence dans cette affaire. Mon client ici présent peut être encore utile à la société. C'est pour cela que je vous demande par pitié d'alléger sa peine et de ne pas le priver de sa vie. Sur ce, je me retire, Votre Honneur. Votre Honneur, les preuves ici fournies prouvent largement la culpabilité de l'accusé. L'accusé a réellement commis ce crime. Cela dans le but de réaliser ses ambitions. Nous souhaitons que la peine la plus juste lui soit appliquée, la mort. Et j'espère que la cour accordera cela. Je vous remercie. L'évidence, aux yeux de tous ici, a libéralement prouvé que la défense s'est énergiquement investie pour démontrer que l'accusé est innocent des charges portées contre lui. Toutes les preuves ici fournies par les plaignants, après examination et étude, prouvent simplement que l'accusé a réellement commis le crime. À l'issue des plaidoiries et de l'analyse des preuves et des témoignages, il est tout à fait logique que cette cour arrive à la conclusion que l'accusé a commis son crime avec préméditation. Maintenant, voici mon jugement. Au nom du pouvoir qui m'a été conféré par l'État, mentionné dans la section 5, chapitre numéro 3 du Code criminel, je condamne l'accusé, M. Raj Johnson, à la mort par pendaison.
Quels sont vos derniers mots pour vos amis et proches? Que le Dieu Tout-Puissant, qui t'a donné le souffle de vie, te pardonne tous tes péchés et te reçoive en son sein au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. The eyes
to deceive what you see.